Nous ouvrons nos Bibles. Tutafungula Biblia zetu. Dans Hébreux chapitre 11. Katika kitabu ya Waebrania sura yake ya 11. À partir du verset 32. Tutaanzia mstari yake ya 32. Et que dirais-je encore? Nitasema nini tena? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Kwa sababu wakati tanikosea kwa ajili ya kusemea kwa ajili ya Gédéon. De Barak, de Samson. Na Barak na Samsona. De Jephté, de David. Na Jephté kusemezea na Daudi. De Samuel et de prophètes. Samieli na wanabii wengine. Qui par la foi vainquirent des royaumes. Wao wenye kupitia imani waliwina maufalme. Exercèrent la justice. Walifanya uwaki. Obtinrent des promesses. Walipata malako. Fermèrent la gueule de lion. Wakafunga kinywa za simba. Éteignirent la puissance du feu. Wakazimisa ile uwezo ya moto. Échappèrent au tranchant de l'épée. Wakapona kwa ile makari ya mupanga. Guérirent de leur maladie. Wakapona kutoka magonjwa zao. Furent vaillants à la guerre. Walikuwa wasujaa kwenye vita. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Wakakimbiza mbali vikosi za kigeni. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Et wanawake wakapata uzima kupitia ufufuko. D'autres furent livrés au tourment. Wengine walitolewa katika mateso. Et n'acceptèrent point de délivrance. Alakini hawakuitikaka ukombozi. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ili wapate kupokea ufufuko ya kweli. D'autres subirent les moqueries et le fouet. Wengine walichekiliwa na kupokea tafimbo. Les chaînes et la prison. Et na kutiliwa minyororo hata boloko. Ils furent lapidés. Wakapigwa mawe. Sciés. Wakakatiwa na msumeno. Torturés. Wakateswa. Ils moururent tués par l'épée. Na wakawawa hata na mpanga. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis. Wakienda hapa na kule wakivaa ngozi za kondoo. Et de peau de chèvre. Na ile mangozi za mbuzi. Déniés de tout. Waliwanyang'anya yote. Persécutés, maltraités. Waliteswa na kusulubishwa. Et dont le monde n'était pas digne. Wao wenyewe kwa dunia wakustahili. Errant dans les déserts et les montagnes. Wakihangaika mujangwa pia mumilima. Dans les cavernes et les antres de la terre. Kule mashimo na matundu za dunia. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Ile yote kupitia imani ya wale wenyewe ilishuhudiwa. N'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Wao wenyewe kupokea ile liwalakwa. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous. Et Mungu aliona kitu moja mzuri zaidi kwa ajili yetu. Afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Ili wao wasifike kamwe kwa ukamilifu pasipo sisi. Hébreux 13 verset 7. Ewe kitabu wa Ibrania sura yake ya 13 mstari yake ya 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Mukumbukeni waongozi wenu wenyewe walitangazia neno la Mungu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Muangalie namna gani ilikuwa mwisho ya maisha zao. Et imitez leur foi. Na mufuatilie imani yao. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo ni yule yule jana leo na hata milele. Nous prenons Juge 6, 12 et 13. Et tunachukua Waamuzi sura yake ya 6 mstari ya 12 mpaka 13. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Malaika wa Bwana akamtokelea akamuelezea, Bwana iko pamoja nawe wewe askari msujaa. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur. Gédéon akasema: Eh bwanangu. Si l'Éternel est avec nous. Et kama wa milele ipo pamoja nasi. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Kwa nini hizo vitu zote zimetufikia? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent? Sasa maishara zote nyao baba zetu watuelezea kazi iko wapi? Quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Wakati wanasema kwamba milele eta kututosha ku Misri. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Sasa hapa wa milele ametuacha. Et il nous livre entre les mains de Madian. Na natutoa mikono ya adui. Prions. Tuombe. Son
tout puissant, Mungu mwenyezi, créateur des cieux et la terre, Muumbaji wa mbingu na inchi, donateur de tout don excellent, mwenye analetaka zawadi yote iliyo bora, la force des faibles, we ule nguvu ya wazaifu, l'espoir des croyants, matumaini ya waamini. C'est toi en qui nous avons cru. Nous sommes persuadés que tu es plus que capable. Le véritable Dieu. La vie éternelle. Toi qui as laissé la tombe vide. Le puissant vainqueur, puissant conquérant. Jéhovah de l'Ancien Testament. Elohim des Hébreux. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. À toi nous donnons les acclamations. À toi nous donnons les adorations. À toi l'hommage, à toi l'honneur. Toi qui vis au siècle de siècle. Seigneur, nous t'intronisons. Seigneur, nous te magnifions. Tu es digne d'être adoré. Nous te disons merci Seigneur pour le souffle de vie. Seigneur Jésus, nous venons ici pour que ton sang nous lave. Le sang précieux qui purifie. Et ce sang-là, c'est la parole de Dieu. Purifie chacun de tes enfants. Amène-les dans la dimension céleste. Amène-les dans la dimension de l'aigle. Dans la dimension du surnaturel. Et parle-nous de cœur à cœur. Ne laisse personne sortir comme il est venu. Que ta parole de Dieu change les choses dans nos vie, que ça change les choses dans nos foyers, dans notre travail. Merci Jésus. Merci pour William Branham. Merci pour ce message. Bénis-nous. Ouais-nous. Parle-nous. Guéris-nous. Et fortifie-nous. Nous avons vraiment besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur la mémoire des héros. La mémoire des héros. J'aimerais prendre directement d'abord Frère Branham dans Écoutez-les. Prêcher le 25 janvier 57. Paragraphe 44. Il ne s'agit pas de sortir de chez les méthodistes pour aller chez les baptistes. Aiko mambo ya kutoka kwa wa méthodisti kwenda kwa baptisti. Et sortir pour aller chez les presbytériens. Kisha unaruka tena unaenda kwa presbiteri. Et sortir pour aller chez les pentecôtistes. Ili kisha tena unaruka unaenda kwa pentecosta. Chez les assemblées. Et kwenda kwa wale wa kusaniko. Chez les unitaires. Kwa wale wa Mungu moja. Chez l'église de Dieu. Kwa ile kanisa ya Mungu. Et chez les nazaréens. Wala kwenda kwa nazarea. Ne le faites pas. Musikifanye. Déployez simplement vos ailes. Nini mupanu etu mabidi zenu. Prenez votre envol. Oui, ruka. Montez très haut avec le Saint-Esprit de Dieu. Oui, panda juu zaidi pamoja na Roho Mtakatifu ya Mungu. Et la gravitation perdra son emprise. Na ile nguvu ya kukokota chini itapoteza nguvu yake. Et par une force invisible. Kupitia ile nguvu yenyewe ionekane. Vous serez élevé au-dessus de ce jacassement. Et mutapanda kabisa juu ya hii bitu yote ya kusumbua. Qui disent, docteur Intel a dit telle chose. L'église ne croit pas. Peu importe ce que dit l'église, ce
C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et les choses que je fais, vous les ferez aussi. Les œuvres que je fais, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il en fera aussi. Dieu veut un héros. Le monde cherche un héros. Le monde cherche un. Pour vous. Votre compagnie cherche un héros. Amen. Donc celui qui fait ces choses-là comme ça, n'est pas un héros. As un astre errant, une étoile qui n'a pas de place. Il est là, il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas, il n'a presque pas de position. Madame dit, ne le faites pas. Il faut être un héros. Un héros, il prend ses ailes. Il prend son envol. Il faut déployer les ailes. Il faut montrer qu'on est fort. Et lorsque vous allez prendre l'envol par le Saint-Esprit, tu vas vaincre la loi de la gravitation. Je crois que j'ai parlé de ça ici. La loi de la gravitation, c'est un véritable contraste. Tout ce que tu jettes pour aller en l'air, dans les hauteurs, la loi de la gravitation va toujours les rabaisser. Et c'est ça la notion du temps. Mais avec le Saint-Esprit, on doit aller au-delà de toutes les jacasseries, au-delà des problèmes, au-delà des difficultés, pour demeurer dans le monde de la foi. Vainquer toutes les jacasseries. Un héros n'a pas besoin d'aller d'église en église, parce qu'il y a des problèmes. Utilisez le Saint-Esprit. Utilisez votre zèle. Prenez l'envol par le Saint-Esprit. Dieu a besoin d'un héros. Ici à fellowship, Dieu veut un héros. Votre compagnie a besoin d'un héros. Il y a des gens qui te considèrent. Fabana me dit que l'erreur d'Ozias, il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui observait sa vie. Et qu'il voulait les copier. Il y a des gens qui vous observent, qui ils veulent être comme vous dans la foi. Ils estiment ce que vous êtes. Des gens que tu ne connais pas peut-être, même les gens avec qui tu marches là, ils te considèrent un peu comme un homme expérimenté. Il faut être un héros pour ces gens. Mon frère et ma soeur, quelqu'un t'observe. Il veut être comme toi. Mais lorsque toi tu lâches prise, parce que les difficultés sont venues, tu ne sais pas combien de gens tu peux tuer. Tu ne sais pas combien de gens tu peux décourager. Ce matin, soyez un héros que Dieu est en train de chercher. Un héros
C'est au moment de difficulté qu'on le connaît. Ce n'est pas beaucoup de citations que tu peux dire au moment de la paix. Ce n'est pas beaucoup de connaissances que tu peux exprimer quand il y a la paix. On a besoin beaucoup plus de ça lorsqu'il y a des difficultés. Quand il y a des épreuves, c'est pas question d'aller là-bas. Dieu veut un héros. Écoutez la nature de cet héros-là. Dans Hébreux chapitre 7, première partie, Abraham dit au paragraphe 77 et 78, comme je l'ai dit, les véritables guerres sont menées et faites pour des principes. Inapiganiwaka na inafanikaka kwa ajili ya sababu ya mafanikio. Et non pour l'argent. Na hapana kwa ajili ya kutafuta pesa. Amen. Amina. De vraies guerres. Ile mavita ya kweli kweli. C'est pour défendre des principes. Ni kwa ajili ya kutetea makanuni. Pas l'argent. Hapana tuyo makuta. Pas autre chose. Hapana vitu vingine. Les principes. Makanuni. Et l'église du message du temps de la fin na kanisa ya ujumbe wakati wa mwisho a aussi ses principes iko pia na kanuni zake. Et un vrai croyant na muamini wa kweli, un véritable Géronimo, ule Géronimo wa kweli kweli, il va se battre pour que les principes soient gardés. Yeye atapiga vita ili makanuni bakie mufasi yao. Parce que Géronimo le chef indien, kwa sababu le Géronimo, il était conservateur de la nature. Alikuwa wa kuchunga mambo. Il a protégé les bisons. Ye alichunga kabisa ile vitu yao. Kwa nini ndio l'homme blanc serait scélérat? Ubrana anasema mzungu yeye anakuwa namna yake. Lui il vient le détruire le bison. Ye anakuja anaharibu makabu kabila yake. Geronimo l'Indien. Lakini Geronimo ule muhindi. L'homme à la peau rouge. Ule butu wa rangi nyekundu. Lui il était là pour conserver. Ye alikuwa kwa ajili ya kuchunga. Et on l'a tué à cause de ça. Na walimuua kwa ajili ya ile. Il s'est battu pour des principes. Ye aligombana kwa ajili ya makanuni. Lui dit l'homme blanc tu es un idiot. Ye anasema wewe mzungu wewe ni bumbafu. Dans les bisons il y a tout. Et kule mobitu yetu kuna biote. Les bisons c'est le gibier qu'ils avaient chez eux. Et ile bisons ni manyama yenyewe walikuwa nao kwao. Il dit la peau on peut faire les tam-tam. Anasema na ngozi yake tunaweza kufanya ngoma. Les excréments on peut fertiliser le sol pour le jardin. Et ile buchafu ya mutumu tunaweza kufanya mboleo mshamba. La viande on peut manger. Dans les bisons, il n'y a rien à rejeter. Nani abizon, kuna kile tunaweza kutupa. Et je veux que tu sois conservateur. Na mina pende ukwe pia ule wa kuchunga. Parce que frère Branham, le grand chef indien. Et kwa sababu ndugu Branham yeye chef mkubwa wa Kiindia. Savez-vous que frère Branham est le chef des Indiens? Unajua kwamba ndugu Branham yeye ni chef wa Kiindia. Il nous dit tout le temps la parole est important. Anatuelezea kwamba biote ndani ya neno ni ya maana. Nous n'avons rien à rejeter. Hatuna kile kya kutia pembeni. Si c'est la profondeur, nous y allons. Kama ni uketo tunaingia. Si c'est la hauteur, on va monter. Kama yulu tunapanda. Si c'est l'épaisseur, oui, on va mesurer. Et kama ni upana tunaenda mo. Si c'est aussi la sanctification, on est là. Et kama ni utakaso tunaingia mo. Si c'est la puissance, on est là. Kama ni uwezo tunaingia mo. L'église de Frère Branham, c'est l'église du plein évangile. Plein évangile. Ou tel est kabisa ya neno. Tout ce qui est Dieu se trouve là. Yote enyeko ya mbungu inapatikana amo. Les guerres véritables sont menées pour des principes. Ile vita ya kweli inapiganiwa kwa ajili ya makanuni. C'est pas pour l'argent. Hapana sio kwa ajili ya makuta. Pas pour l'argent. Hapana juu ya makuta. Et les hommes et femmes qui adhèrent à l'église. E wanaume na wanawake wenye wanaingia mkanisa. Entre dans l'église. Wenye wanaingia kanisani. Pour devenir populaire. Kwa ajili wakuwe wakavumu. Parce que les Jones en font partie. E kwa sababu wa Jones wao wako moja yao.
ou qui change d'église wenye wanabadilisha makanisa d'une petite église pour entrer dans une grande église ye anatoka mukakanisa na ingia mukanisa moja mkubwa vous le faites avec un motif égoïste huko naifanya kwa ajili ya vifukuzio za choyo et derrière cela na nyuma ya ile il n'y a pas un principe juste hakuna ile kanuni ya wake vous devriez être disposé à vous tenir au front dans la bataille. Je ne viens pas à l'église pour être connu. Amen. Si c'est ça ton objectif, le motif derrière n'est pas juste. Je veux être connu à la fin. Mina penda mwisho watu wanijue na mie. Et à la fin si Jésus ne me connaît pas. Basi kwa mwisho kama Yesu ye mwenyewe akuyue. Je viens à l'église. Mina kuja kanisani. Adorer Dieu. Kuabudu Mungu. Pour que Jésus ait l'attention sur moi. Ili Yesu ye mwenyewe njoo anione. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Frère Branham parle de ces jeunes musiciens qui avaient un talent. Et il a joué un grand concert de sa vie. Il a tellement emballé les foules. Les gens criaient. On lui jetait des fleurs. Mais le jeune homme n'a pas bouger. Alakini ule kijana akutenga hata kidogo. Les acclamations, ile mashangwe, les gloires, ile kumotapa, les gens lui jetaient. Kenye watu walikuwa kimwelezea. Ça ne l'a rien fait. Haikumutengesha hata kidogo. Mais on a remarqué que ces jeunes musiciens, alakini waliona kwamba ule kijana muimbaji, pendant qu'il chantait, ses regards étaient fixés vers le balcon. Wakati alikuwa kiimba macho yake alikuwa kiangalia kule balkoni. Qui était au balcon? Son maître. Il est quoi les mois yake? Et vraiment on me dit. Les jeunes hommes étaient tristes. Oula kijana alikuwa na uzuni. Tant que le maître n'avait pas donné son avis. Wakati yoyote mwalimu alikuwa bado hajamuelezea kama amefurahi. Mon frère et ma sœur. Ndugu yangu na dada yangu. Toutes les louanges que les hommes de ce monde peuvent te donner. Ile masifa yote watu dunia wanaweza kupa. Ce n'est qu'une vaine. Ayo ni bia bure. Une vaine gloire. Iko sifa ya bure. Parce que là il y a des tels. Et pale kuna wafulani. Ah, je dois les suivre. Et mina pacha nifuate wafulani. Je dois suivre John. Et mina pacha kufuata Johnny. On va être ensemble. Et tutakuwa pamoja naye. Comme John a quitté. Egisi John ametoka fellowship. Moi aussi je dois quitter. Ami pia mina toka luangu. Branham dit le motif n'est Branham pas correct. Branham anasema kifukuzio yako sio sawa. Quand Dieu t'a appelé. Wakati Mungu alikuita. C'est un appel nominal. Ni kuitwa na jina lako. Fabana me dit, dans les livres scellés de sceaux, ile kitabu yenye nafungwa miure, des noms étaient
écrit sous forme de mystère. Majina iliandikwa sawa masiri. Et quand ce livre est ouvert, wakati ile kitabu anafungua, et que la parole commence à être proclamée, inaanza kutangaziwa, voilà le rédempteur qui s'avance. Onene mukombozi unasonga mbele. Et quand il prêche là, na wakati anahubiri pale, c'est un appel nominal. Yele ni kuita kila mtu mujina lake. Il appelle chacun. Anaita kila mtu. Pourquoi il y a des gens qui disent pas amen à l'église? Eh, kwa nini kuna watu wengine wasemaki amina mkanisa? Parce qu'on ne l'a pas appelé. Kwa sababu kusikia jina lake. Amen. On l'a pas appelé. Ye akusikia kuitwa. Branham dit quand cet appel se fait. Branham anasema wakati unasikia unaitwa. C'est lorsque la révélation du mystère de la parole est déployée. Wakati ufunuo ya siri ya neno imepanuliwa. Et le prédestiné. Na ule mwenye alichaguliwa. Ils entendent leur nom. Ye anasikia jina lake. Et il répond. Na ye anajibu. Amen. L'individu. Mungu anaita mutu kila umoya munamuna yake. Et chacun connaît comment Dieu l'a appelé. Na kila mutu anajua namuna nye Mungu alimuita. Il faut vérifier ton appel. Inabidi uchunguze mzuri uliitwa je. Il n'y a pas de camaraderie dans les choses de Dieu. Hakuna urafiki ndani ya vitu. Il y en a pas. Hakuna kabisa. Nous sommes là pour des principes. Bidi tuko hapa kwa ajili ya makanuni. Tu es mon ami. Else. Tu es mon ami. On est habitué. Et tu n'as oubliana. Mais quand tu dévis, tu dois te dire la vérité. Voici ce que Frère Branham a dit. Voici ce que le message a dit. Pas de camaraderie. Si John trouve qu'il doit partir, kama John anaona mimi hapa ni wakati yangu ya kwenda, laisse John partir. Mwache John aende. Toi, tu connais en qui tu as qui. Unajua kweli uliamini nani. Tu connais ta position. Unajua msimamo wako. Et Frère Branham dit, lorsque il y a des vents, wakati kuna upepo, qui secouent l'âme, c'est assez mon malheur. Merci pour tout. Accent kwa biote kabisa. Mais c'est que je glorifie Dieu. Lakini kile mimi natukuza Mungu. Tu es un homme courageux. Woko mtu wa hodari. Dieu ne peut pas utiliser un homme peureux. Mungu apende kutumikisha ule mtu wa boka. Tandis que d'autres craignent. Watu wengine wasa, hapa tujitoke. Usipime, usiende, usiende. Pour les âmes, vous allez fuir. Wajili ya manafsi, unabakimbia. Non, hapana. Dieu a besoin de zéro. Mungu iko na lazima na wasuja. Et toi ce matin, na we asubuhi ya leo, homme ou femme, toi mwanaume wala mwanamke, sois un héros. Wewe ukue msuja. Quelqu'un qui ne lâche pas. Le mutu mwenye anasema sitaacha. Parce que le lâche meurt 10,000 fois. Kwa sababu wale wa kuogopa wanakufa mara 10,000.
Dans ce tabernacle-ci, quand les choses vont mal, et que vous les hommes comme les femmes, vous fuyez pour aller ailleurs, ou que vous vous tenez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension soit passée, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Je vais attendre un amen à ça. Je vais attendre un bon amen. Donnez une amen qui fait mal au diable. Dans ce tabernacle-ci, quand les choses vont mal et que toi tu commences à aller ailleurs, ou bien tu te mets à la maison, à l'écart, jusqu'à ce que ça soit passé, il y a quelque chose, de faux dans votre expérience. Quelque chose de faux. Et quelque chose de faux là, ça peut être beaucoup, hein? Na ile kitu moja kia bongo, naeza kwa bia mingi. Quelque chose de faux. Kitu moja kia bongo kabisa. Ça peut avoir une définition ou autre dans chacun. Inaeza kuwa na mafasirio ya kuachana chana mukilo moja. Quelque chose de faux. Kitu moja kia mubaya. Soyez héros. Ukwe msuja. En ce moment, les jeunes ont besoin de toi. Les jeunes dans la foi, ils ont besoin d'un papa mûr. Ils ont besoin d'une maman mûre. Ils ont besoin d'un garçon qui a l'expérience. Ils ont besoin d'une fille qui a la maturité, la sagesse au moment des troubles. C'est beaucoup écouter et ni kusikia mingi et parler peu. Na unasema tuloko, n'entre pas dans les jacasseries. Tu es là, tu es là, tu es là. Sois un vrai héros. Ukue ule msuja wa kweli. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Dans la perfection, paragraphe 85, il dit, et katika perfection ki funga yake ya 85 na bina, ce soir le monde cherche des zéros. Et de mangaribi ya leo dunia inatafuta wasuja. Et le monde a des zéros physiquement parlant. Et dunia iko na wasuja munamuna ya kimwili tukisema. Physiquement parlant. Et munamuna ya kimwili. Le monde a des zéros. Dunia iko na wasuja. Donc spirituellement. Et nukusemunamuna kiro. Dieu possède des zéros aussi. Mungu iko pia na wasuja wake. Le monde parle de zéro et de grands zéros. Même chez nous dans notre pays, on parlera de Lumumba jusqu'à la fin. Lumumba, on parlera toujours de lui. On parlera de Laurent Kabila, on parlera de zéros. À cause de ce qu'ils ont fait. Et ce que tu fais, na ile unafanya, détermine même ton avenir. Ye, ayo inaonesha hata kesho yako ni je. L'avenir on le construit. Et kesho yako wanaijengaka. C'est pas un hasard. Aiko kitu moja unabahatisha. Dans la prédication, l'harmonie de l'unité 101. Et katika l'harmonie de l'unité qui fungo yake ya 101. Et le monde aujourd'hui, mes amis, désire voir des gens qui sont unis à Christ. Et na dunia leo wanapenda kuona watu wenye wameunganishwa na Kristo. Pour manifester le réel et authentique esprit de Christ. Ili wapate kuonesha kabisa ile ya kweli, ile roho ya Kristo. Comme des vaillants héros. Sawa waskari wasuja. Le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit là de lèvres. Et à pas na ile roho mtakatifu ya midomo tu. J'ai le Saint-Esprit. Niko na roho mtakatifu. Mais un Saint-Esprit manifesté. Alakini ile roho mtakatifu enye inaweza kuonekana wazi.
Vous savez, Dieu a écrit la parole. Mais quand frère Branham est venu, c'était la parole parlée. Tout ce que Dieu avait pensé que ça a été écrit, il est yote enye mungu aliwaza kwamba limeandikwa. Il a pensé. Aliwaza. On a écrit. Wakayandika. Mais William Branham. Alakini William Branham akakuya. Son jour. Ye musiku yake. C'est la parole parlée. Ilikuwa ni neno lilio nenwa. Et comme c'était le jour de la parole parlée. Na gisi ilikuwa ni siku ya neno lilio nenwa. Il pouvait pénétrer la pensée de Elohim. Angeweza kuingia ndani ya mawazo Elohime. Prendre ce qui était là caché. Anabeba ile enye ilikuwa imefichwa mule. Dans la pensée éternelle de Dieu. Ile wazo ya milele ya Mungu. Abraham est le seul prophète qui disait je vois. Endogo Branham ni ule nabi peke mwenye alikuwa akiweza kusema ya kwamba mimi naona. Il prêche et il a la vision au même moment. Ye iko na ubiri na pale pale iko na ono. Je peux voir Adam. Mimi naweza kuona Adamu. Et Eve. E na Hawa. Comment il se cache? Namna enye wanajificha. Pourquoi? Kwa nini? Il est la parole parlée. Ye ni neno lilio nenwa. Dieu a pensé. Mungu aliwaza. Frère Branham a parlé. Du Branham alisema. Et nous, na sisi, c'est la manifestation. Ni kuonesha wazi. Alléluia. Alléluia. C'est le jour de la manifestation. Ni siku ya kuonesha wazi. Oui, la création tout entière est en train de soupirer, de gémir. Maumbile yote muzime kona tetwe na umia. Il veut voir. Wanapenda kuona. La manifestation des enfants de Dieu. Kuonekana wazi watoto wa Mungu. Les bénéficiaires de toutes les promesses accomplies. Wale wenye walifaidikia malako yote enye litimilika. Parce que Dieu a accompli toutes les promesses. Eti Mungu alitimilika. Dans la chair de William Branham, afin que nous soyons la manifestation. Manifester Dieu. Il est kuonesha wazi Mungu. Un héros manifeste le Saint-Esprit. Musujia mwenye anaonesha wazi Roho Mtakatifu. Pas seulement avoir la connaissance. Bana tuko na ujuzi mukichwa. Beaucoup parler. Unasema bya mingi. Mais devant l'épreuve on tombe. Alakini mbele ya kipimo naanguka. Devant des problèmes on perd la position. Mbele ya mambo napoteza msimamo. Baba ni sasa la nature de Caïn. Problema sema ile ni asili ya Kaini. Caïn a des problèmes. Wakati kuna mambo, tu vas connaître sa vraie couleur. Oh, tajua rangi yake ya kweli. Il va sauter même sur toi. Ye atakuruka. Il peut même te mordre. Anaweza hata kukuluma. Mais un enfant de Dieu, mutoto wa Mungu, il reste un agneau. Ye anabakia kama mwana kondoo. Qui peut dire amen? Naweza kusema amina. Oh Dieu, eh Mungu, redonne la nature de l'agneau. Et upatie tena upya ile asili ya mwana kondoo. Dans mes frères, kwa wandugu zangu, dans mes sœurs, kwa wadada zangu, un agneau, mwana kondo, il ne réclame pas ses droits. Ye adai ile iliyo haki yake. Un agneau ne voit que le devoir. Mwana kondo ya naonaka mpaka kile nyemi napashwa kufanya. Pour terminer, voici ce que je peux dire. Kwa chile kumalizia uneni kile mina weza kusema. C'est Frère Branham qui dit pour terminer, c'est pas moi. Ndugu Branham ndiye anasema kwa chile kumalizia. Iko kusema mimi nataka maliza hapa. Pour terminer, voici ce que je peux dire. Kwa chile kumalizia uneni kile mina openda. Le monde désire voir des zéros. Dunia inapenda kuona wale wasuja. Même les jeunes gens qui se marient là, ce sont des zéros. On va les consacrer. Ils sont des zéros. Le frère a lutté, il a vaincu. Il a vaincu le célibat. Donc il est le héros du côté des célibataires ce matin. Parce qu'il a remporté la victoire. S'il avait lâché, il ne serait pas en veste comme ça. La sœur en voile comme ça. Peut-être ils allaient prendre les raccourcis. Mais il dit
non, je peux pas prendre les raccourcis. Je dois lutter, combattre et avoir la victoire. Il mérite les acclamations. C'est un héros. Un héros, il est au front de la bataille. Et il va sortir victorieux. Et bien des fois avec des cicatrices. Amen. Amina. Parfois des déchirements. Mais c'est ça. Les signes de la victoire. Ça montre qu'il a été dans le front. Au temps de César, quand il voulait payer quelqu'un qui était honoré pour qu'il puisse manger avec lui, alors ils ont fait le défilé de tous ces combattants qui passaient. César cherchait qui va s'asseoir avec lui. Les gens passaient, ils passaient, beaucoup de soldats, des capitaines, des grands. Puis est passé un jeune homme. Il avait des cicatrices de sang qui coulaient partout, 100 grades. Et quand il passe, il titube même. Le roi l'appelle. Il dit: toi viens. Toi tu viens d'où? De la bataille. Tu as été au front, oui. Pour mon César. Tu as eu tout ce plaisir là-bas, il dit oui. C'est toi que je cherche. Tu es un héros. Viens t'asseoir ici. En fait, ce n'était pas les gens avec des grades. Ce n'était pas des gens robustes qui étaient populaires. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment au front. Et Jésus dit à celui qui vaincra: il s'asseoira avec moi sur mon trône. Pour vaincre, il faut combattre. On connaît la valeur de votre foi pendant le moment de l'épreuve. Comment tu restes constant spirituel et quand ta bouche s'ouvre, c'est l'oracle du Seigneur. Dieu a besoin de toi, un véritable héros. Avec Gédéon, quand l'ange est venu lui dire que tu es héros, il a nié d'abord. Il a d'abord nié, il dit non. Voici ce que je peux dire, je suis toujours là. Le monde désire voir des zéros. Ils honorent les zéros. C'est bien. Le vieil adage dit: les lâches meurent 1 million de fois, tandis que les zéros ne meurent jamais. Tu sais que tu ne mourras jamais. C'est la vérité absolue. Tu ne mourras jamais. Frère Branham n'est jamais mort. Il vit. Il dit: même quand vous verrez le cercueil, ne croyez pas. Chantez, crois seulement. Tout est possible. Frère Branham n'est pas mort. Pasteur Richard n'est pas mort. Pasteur Gédéon n'est pas mort. Ils existent.
Les œuvres qu'ils ont faites n'est jamais effacées. C'est ce qui fait qu'ils sont toujours vivants. Et dans le mystère de la résurrection, ils sont avec nous en communion. Parce que les saints sont ici. Frère Branham a prêché un auditoire mixte. Un auditoire visible et invisible. Il était entre le mort et le vivant. Le septième sceau étant ouvert, la venue du Seigneur. Parce que quand le septième sceau est ouvert, silence dans le ciel. Pourquoi silence? Parce que l'homme qui était là, il a quitté. Il est descendu. Et la harpe a cessé. Tout a cessé. Parce que le septième sceau le ramène sur la terre. Tous les anges l'ont suivi. Gloire au Seigneur. Et quand la venue du Seigneur a lieu, c'est accompagné de la résurrection. Même les morts sont ressuscités. Nous vivons les jours où nos bien-aimés qui nous quittent ici, ils sont debout dans le pays de la résurrection. Il n'y a plus la mort dans le septième sceau. Nous déposerons le manteau, mais ils entrent dans le pays. Frère Branham, qui était multidimensionnel, il pouvait voir des frères qui étaient déjà partis. Il dit, oh, les voleurs, ils sont là. Tapons les mains. Ça, c'est un peu notre folie. Ce sont ces choses qui nous donnent la foi de l'enlèvement. Nous croyons qu'on déposera seulement les manteaux, mais la mort ne va pas nous atteindre. Il n'y a pas la mort dans cet âge. Dans Matthieu 17, quand Jésus était transfiguré, il y avait à ses côtés Élie et Moïse. Qui est Moïse? Moïse, c'est les six âges qui doivent conjuguer le verbe mourir. Qui est Élie? Élie, c'est le septième messager avec son groupe vivant qui sont enlevés sans passer par la mort. Dans ces jours où nous vivons, il n'y a pas la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les lâches meurent 1 million de fois. Wale wa kuogopa wanakufa mara milioni moya. Frère, tu vois ça? Donc on a imambo hii. Mais ne me cite pas. Lakini usinitaye ndugu. Lâche wa kuogopa. Dis-lui, je vais te citer. Oui, c'est mais mienta kuta ya kule. Je dirais, mais ta sema, ce frère tel, Nendugu fulani, qui m'a dit ça, ça. Mambo ina ina ina. Ce frère tel, ni dada fulani, dans l'église du Dieu vivant, kanisa ya Mungu aliye hai, les critiqueurs n'ont pas de place. Wale wa kusema na awana fasi. Ne me citez pas. Et aussi ni taye mui mambo. Si tu savais que tu disais la vérité, pourquoi tu dis que je ne te cite pas? Unasema mieni sikutai muimambo.
Et toi, si tu y es là, lâche-toi aussi. Ouais, Kamoko pia na wepia wa kuogopa. Ah oui, je ne vais pas citer. Ah, si t'as goûté mon tango. Tu mets la chose dans le cœur. Et on a chungé le kituroni. Si il venait te dire que tel ne t'aime pas, mal à ses mains comme à fulani à kupendake. Tu changes d'attitude. Et on a badi chali. Non. Apana. Nous partons au ciel. Tout qu'on a enda mbinguni. Et amen. Pour aller au ciel, na kwa jile kuna mbinguni, il faut l'amour parfait. Inabidi iwe ile mapendo kamilifu. N'ayez pas de choses dans le cœur. Aussi kwa na vitu lishachunga rohoni. Ayez seulement la dette de l'amour. Okwe tunele ndeni ya mapendo. Va vers ton frère. Oui, oui, va vers ta soeur. Oui, dis-lui, je viens m'arranger avec toi. Ce n'est pas que je viens chercher raison. Mais il y a eu ça, depuis ça. Vraiment, ça ne va pas en moi. Pardonne-moi. Qu'est-ce dit la parole? Es-tu en train de brûler ton offrande? Étant à l'autel, tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui est contre toi, qui t'a offensé. Toi, tu penses que c'est lui qui t'a offensé. C'est pas lui de venir. Mais toi qui penses avoir raison, dépose ton offrande à l'autel. Va vers lui. Réconcilie-toi avec lui. Amen. Ne lui dis pas, demande-moi pardon. Toi qui as raison, va te réconcilier. Sinon, ta prière ne sera pas exaucée. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me donne un bon amen. On a oulé mwenyeza ou bati amina ya kweli. Le ciel, il y a des conditions pour y aller. On a malazimicho kwa ajili ya kuingia mule. Alors le monde honore ses héros. Dunia wanaheshimia wasujaa wao. Dieu aussi, Mungu pia naye, il honore ses héros. Anaheshimia pia walio wake. Frère Baname t'allé même dit qu'il faut adorer les héros. Anaenda atambali kusema kwamba wasuja inabidi kuwaabudu. Pas adorer dans le sens de rendre un culte. Apana kuwaabudu mnamna ya kusema kwamba una ukona baba. Mais juste comme il vient de dire là, honorer. Kwa kusema pale kuwapatia kabisa ile heshima kubwa ile. Les puissants conquérants. Yule mushindaji mkubwa. Paragraphe 11. Ekifungu yake ya 11. Et aujourd'hui, quand les hommes veulent parler des héros, oh, comme ils aimaient adorer les héros. Et nous apprécions cela. Mais oh frère, il n'y a jamais eu un héros comme le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Fabrana me dit, les mondes adorent les héros. Nous apprécions cela. Tunafurahia ile. Mais il n'y a pas eu un héros comme Jésus. Sawa Yesu. Il y a eu quelqu'un kulikuwa yule qui a remporté des victoires. Mwenye aliwina alipata maushindi mengi. Napoléon. Napoléon, il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu. Il était champion, un grand héros en France. Et il est mort à 33 ans. Mais il est mort alcoolique. Empoisonné même. L'alcool l'a vaincu. Pombe ilimwina. Il a eu victoire sur Waterloo, mais à la fin, l'alcool l'a vaincu. Un garçon de 33 ans. Et frère Branham, Nanduku Branham, il fait les rapprochements. Anafanya ile ukaribishaji. Mais il dit de l'autre côté dans la gloire, ngambo ya pili kule mutukufu, un autre héros. Et kuna msuja mwingine qui a remporté la vie. Ali wina ushindi uzima. Il a remporté même la
tombe. Il a vaincu la mort. Mort à 33 ans comme Napoléon. Pour nos péchés. Parce que lui, ce n'est pas la boisson qui l'a tué. Mais nos péchés. Et quand il est enseveli, la tombe a reconnu son maître. La terre a reconnu son créateur. La terre ne pouvait pas les retenir. En ce matin de Pâques, quand la puissance de la résurrection a brisé les sceaux de Pâques, briser les sceaux romains, la terre n'a pas pu le retenir. Il est le seul qui a laissé la tombe vide. Il est le roi des rois, seigneur des seigneurs, puissant vainqueur, puissant conquérant. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. C'est lui qui a envoyé Frère Branham. Amen. 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 Le plus grand héros que l'histoire n'a jamais connu. Il est enye dunia awaya juaka. Alors Gédéon, sasa Gédéon n'a pas voulu croire Dieu sur des paroles seulement. Ye akopenda kuamini Mungu ku ile misemo tu. J'ai d'ailleurs pensé que avec les réalités qu'Israël traversait, il fallait plus un Dieu qui agit qu'un Dieu qui parle tout simplement. Amen. Amina. Élie a dit, on a assez parlé. Beaucoup discuté. Kuna mabishano mengi. Allons à la montagne. Twende basi tupimane mumulima. C'était l'heure du test. Iliko wakati wa kupimana. Pour connaître où était le vrai Dieu. Kwa ajili ya kuonesha Mungu wa kweli iko wapi. Il dit le vrai Dieu. Asa Mungu wa kweli va descendre le feu. Atashusha moto. Le mont Carmel. Ile mulima Karmeli. Était le test final. Iliko ile kabisa kipimo ya mwisho. Oh non, nous on a la vérité. Emanache tu kuna kweli? Hapana. Allons à la montagne. Twende kule mulimani. Un Dieu qui répond par le feu. C'est lui que nous allons suivre. Église de Dieu vivant. Gédéon a dit, Seigneur, tu vas me dire que tu es avec nous. Seulement comme ça. Pas qu'à y vivre. Avec toutes ces choses qui nous arrivent. Où est ce Dieu-là de nos pères? Où le monde va baser tout iko wapi? Le Dieu là qu'on a appris. Où le monde moyen tout l'ipata bariaki? Qui les a sortis de l'Égypte? Où est-il? Où le monde iko wapi? Ange Seigneur, moi? Eh, malaika bwana sami. J'ai pas de problème avec toi. Ah, mi sina mambo na wewe. Mais? Alakini? Je veux voir. Nitaona. Si Dieu est avec nous. Iko pamoja nasi. Où sont ces prodiges? Ile maisha razake ziko wapi? Où sont ces wofe? Ile vitu yake vikubwa natendaka iko wapi? Que nous avons appris. Enye tulipata habari. Nous voulons voir. Tunapenda kubiona. Nous voulons toucher. Tunapenda kubipapasa. Nous voulons voir ce Dieu. Tunapenda kuona ule Mungu ule. Quand Élie a traversé le Jourdain, wakati Élie alitamka Yordani, et Élisée a remarqué, na Élie chaliona, comment le manteau d'Élie, namuna enye kote Elia, a fait que le Jourdain se sépare, ifanye kwamba Yordani jitenganishwe, et lorsque Élie est parti, wakati Élie alienda, et qu'il a jeté le manteau à Élisée, na ye alitubia Élie chankote, le retour d'Élisée, wakati akurudi kwa Elisha. Lorsqu'il était encore devant les Jourdains, la même difficulté, il est ma gomme, moya moya. Il a pris le manteau, il a enroulé le manteau. Il n'a pas dit où est Eli. Akusema Eli a iko wapi? J'ai besoin d'Eli. Niko lazima Eli a kuye. Non. Il a frappé les Jourdains. Et il a crié. Où est le Dieu d'Eli? Où le bougou Eli a iko wapi? Oh
Aujourd'hui nous ne cherchons pas où est Fabrana. Mais devant des problèmes, avec la double portion, nous disons où est le Dieu de Branham. Où est le Dieu de Branham? Le Dieu qui parle, la chose arrive. Le Dieu qui agit, le Dieu qui révèle les choses cachées, le Dieu qui anéantit le démon, le Dieu qui parle avec la puissance, le Dieu du surnaturel, le Dieu qui ressuscite, le Dieu qui apporte les miracles, le Dieu qui change les choses. Où est le Dieu de Branham? Aujourd'hui l'église de Dieu vivant a la même puissance. Cette colonne de feu que vous voyez sur la photo, ce n'est pas une photo, c'est une présence. Il arrive que cette colonne de feu, il quitte la photo et il agit. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette colonne de feu. Qu'il agisse dans vos affaires. Qu'il agisse dans votre vie. Qu'il agisse dans votre famille. Qu'il agisse dans votre maison. Qu'il agisse. Le surnaturel, c'est une réalité. Ce n'est pas des histoires. C'est une expérience vivante. Alléluia. Alléluia. L'ange dit, Gédéon, tu as raison. Gédéon, il y a un moment on peut parler, mais il y a un moment on doit démonter. Parce que l'épouse, c'est la manifestation des promesses accomplies. Dieu a parlé, Dieu a pensé, Abraham a parlé. Nous nous croyons et nous manifestons. Allez manifester Dieu dans votre famille. Allez manifester Dieu dans votre quartier. Mon frère et ma soeur, parfois, ça demande une expérience personnelle avec Dieu. Dans ce message, il y a un Dieu. Dans ce message, il y a un Dieu. Dans ce message, il y a un Dieu. Et Gédéon, na Gédéon a eu ce qu'il a cherché. Il a eu ce qu'il a cherché. Et on ne saura pas finir ça avec le mariage. Frère Bonhomme dit ce que Gédéon a cherché, c'était le surnaturel. Au-delà des citations. Enye iko kupita maandiko yote alishaka sikia. Au-delà de la connaissance. Kupita ujuzi yote. Dans le monde de Dieu. Mwile dunia ya Mungu. Le monde des intouchables. Ile dunia ile wale wenye hawezi kuguswa. Hey. Enviez ce monde là. Mutamanie ile dunia ile. Être un héros. La maladie terrasse l'enfant près de mourir. Tu n'appelles pas le pasteur, tu n'appelles pas le diacre. Tu montres que je suis un héros de la foi. Tu t'agenouilles. Tu pries. Tu chasses les démons. Tu récupères ton enfant. Un héros de la foi. Ne sois pas toujours pasteur. Tu tombes pasteur. Ça ne va pas. Diacre, ça ne va pas. Non. Avant d'appeler les secours. Avant d'appeler les secours. Toi-même. Combattez.
Ce que vous apprenez ici, c'est pour aller appliquer. Est-ce que tu peux dire à ton ami, je suis un héros? Oh, alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, la Bible la sema. Que dirais-je encore? Ni ta sema, ni ni tena. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, parler de Samson, parler de Baruch, parler de Jephté, de David, de Samuel, de prophètes, na wanabi. Ces grands géants, wale wa bonge, vi bonge, vi kupa. Le zéro de la foi, wale wa sudia wa imani. Les uns ont vaincu des royaumes, watu waliwina maufalme. Les autres ont vaincu la force au lion. Les autres ont éteint le feu. Wengine walizima. Les autres ont échappé au tranchant de l'épée. Walipona wakati na mpaka. Les autres étaient sciés. Wengine walipona na musumeno. Lapidé. Wengine walipiga mawe. Torturé, maltraité. Déniwe. Wale wanyanga ya biabo. Toi qui aimes les biens matériels, oui, vous savez ce qui nous attend. Mon adieu, dans peu de temps, Karibouapa, l'église catholique va tout ravir. Catholique est à nos voitures, nos maisons, tout. On va tout nous ravir. Abraham dit, nous serons dépossédés de tous nos biens. Même ces bâtiments, on va nous chasser. Ça va être peut-être un hangar de bombes, tout ça. De dépôts. Ta propre maison on ravit. Ta voiture on ravit. À moins que tu acceptes d'appartenir à l'organisation. Et Frère Branham dit, beaucoup de prédicateurs céderont. C'est bientôt ici là. Karibu apa. C'est bientôt. Ni karibu. Vous pensez, c'est coronavirus qui ne fait que revenir vague après vague. Vous savez pas que ça prépare quelque chose. Cela va faire tomber toute l'économie mondiale. Il arrivera un moment où aucun pays n'aura de moyens de survie. Et tout ça, ça donne la place au nouvel ordre mondial. Il est au s'établir afin que Thessaloniciens 5 s'accomplisse. Lorsque les hommes diront paix, sûreté, c'est alors il ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ça, c'est le moment de la préparation. C'est le temps de réunir la famille. Tu réunis les enfants dans la prière, dans la vie de consécration. Parce que nous ne savons pas à quel moment quelque chose peut arriver. Peut-être on va fermer les églises encore. Et si on ferme cette fois-ci, peut-être c'est la dernière fermeture. Nous ne savons pas, mes amis. Ça, ce n'est pas le temps de blaguer. Ça, c'est le temps de vérifier les lampes. Voici, il y a de l'huile. Vérifiez la mèche. S'il y a des brasiers qui va empêcher que la lampe soit bien allumée. C'est le jour de se préparer. Soyez un véritable héros qui vit la parole. Amen. Et Branham est en train de dire, quel sera ton témoignage devant ces héros-là que la Bible est en train de raconter? Quand ils parleront, toi tu donneras quel témoignage? Parce que tu n'as pas subi ce qu'eux ont subi.
Mais petite épreuve, tu trébuches. Tu tergiverses. Quel sera ton témoignage? Il faut être un véritable héros. Dans les signes de 63, frère Branham dit, katika signe ya 63, signe de 63, 4, paragraphe 88. Et qui fungo yake à 88. À 89. Non, 89. On a dit tous ces gens-là. Sans nous. Pas si possible. Si. Ils ne peuvent donc pas ressusciter. Awawezi kabisa kufufuka. Vous croyez ça? Namini ile. Il dit, moi mon problème c'est de le dire. C'est à Dieu d'être à la recherche de cette semence prédestinée. Qu'il recevra. Sans nous. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas à ressusciter. La résurrection dépendait de nous. Voilà la grâce que nous avons. Voilà les grands privilèges. Frère Branham dit, s'ils ont vaincu des choses qu'ils ont vaincues, c'était une onction. C'était une onction qui les a soutenus. Ce n'était pas naturel. Parce que la Bible a dit quand l'ennemi vient comme un fleuve, le Seigneur lève un étendard. Quand il a vu que l'ennemi est venu comme le cavalier sur le cheval blanc, l'étendard que Dieu a élevé, c'était l'esprit du lion dans l'église qui rougissait contre le mal. C'était une onction pour qu'il puisse vaincre des faux apôtres. C'était une onction. Et quand il a pris le cheval roux pour tuer, détruire, trouer le ventre des femmes, égorger, lapider, Dieu a envoyé l'esprit de veau, les sacrifices pour accepter tout ce qui pouvait arriver. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Et dans ce temps de la fin, Dieu nous a donné aussi une onction. Mungu alitupatia upako ingine. La foi dans la parole. Imani ndani ya neno. Il n'y a que nous qui pouvons vivre au jour de l'ouverture des sous. Et c'était seulement à l'âge de martyr. Mais l'âge de sceaux, il fallait les héros aussi. Les gens qui croient les choses impossibles. Vous savez, notre foi, c'est une folie pour le monde. Parce que nous, quand la Bible ici dit c'est noir et que Branham dit c'est blanc, nous nous disons blanc. Nous disons blanc. Est-ce que ta foi a atteint ce niveau-là? Un prophète, Nabi, en son jour, c'est lui la Bible, ni yenjo Biblia, à laquelle on ne peut ni ajouter, ni retrancher l'onction de croire le sceau. Et la trompette de la résurrection attendait William Branham. Il fallait que Branham vienne. Que cette trompette retentisse pour qu'eux ils ressuscitent. Ça c'est glorieux.
Écoutez ce que Dieu fait. On dit que la résurrection commence là-bas. Mais la résurrection commence par ceux qui sont ici. Et ça secoue, ça secoue, ça secoue. Et ça va jusqu'à là-bas. C'est nous les premiers bénéficiaires. Nous vivons les jours où les sept se sont ouverts. Nous vivons les jours où Jésus est descendu. Jésus-Christ de Nazareth, wa Nazareti, l'homme de Galilée, oh, le bwana wa Galilea, qui a marché sur la terre mwenye alitembea duniani, avec les pierres et les autres, na wa Petro na wengine, et quand il quittait la terre, wakati alikuwa akiacha dunia, une voiture blanche est venue du ciel. Kuna gari mweupe litoka mbingu. Cela l'a dérobé. Ikakuja kamuiba. Et il est parti. Na kaenda. Les anges sont apparus. Na malaika wakaenda. Pourquoi vous regrettez? C'est Jésus que vous croyez s'en aller. Il reviendra de la même manière que vous le voyez s'en aller. Dans la même voiture qui est partie avec lui, c'est la même voiture qui va le ramener. Et en 1963, la qu'est-ce que la Niwe est venue faire? La Niwe avait dérobé Jésus. Moïse a dit tu ne déroberas pas. Et si quelqu'un a dérobé afin qu'il soit en ordre, il doit restituer ce qu'il avait dérobé. Qu'est-ce que la Niwe est venue faire? La Niwe est venue nous restituer Jésus. Mon ami, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est une réalité. Nous croyons ça de tout nos cœurs. C'est ce qui donne la foi de l'enlèvement. Et avant que cette venue, soyez un héros. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon ami Bariki. Maintenant les mariages. Ça ça a pas ni ndoa. On va approcher les mariés. Tuta karibisha wale wenye wataoana.